Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SLJC Électronique à Saint-Sauveur. La réparation que je m'apprête à vérifier, mais le diagnostic, c'est en train de commencer. C'est un appareil, on appelle ça un DVR. C'est un appareil qui sert surtout à brancher un système de caméra en circuit fermé pour pouvoir faire la surveillance. Ça, c'est fait pour avoir quatre caméras, je me trompe bien. Je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Quatre caméras. Mais là, il y a un certain problème avec. Là, la personne m'a apporté, elle m'a apporté juste le boîtier. Il doit y avoir une manette qui va avec ça. Mais j'ai à peu près rien. Je vois que il y a quelque chose de lousse ici. On va resserrer ça. Il l'a déjà ouvert, en tout cas, il a vérifié. Puis je me rends compte que si je l'ouvre. Le disque dur a été changé. Mais il semble, selon ce qu'il fait, il semble avoir un problème avec le bloc d'alimentation ou l'alimentation de l'appareil elle-même. Parce que si je branche ça, je le branche, il se met à flasher rouge tout de suite. L'alarme aussi, il flash. Généralement, ça indique qu'il y a un problème avec le bloc d'alimentation. C'est un adaptateur à part. Là. C'est peut-être l'adaptateur qui fait défaut. Je vais acheter un œil. On va passer par les premières choses. On va vérifier à l'adaptateur s'il fonctionne tout. Sinon, mais je vais essayer de trouver c'est quoi. C'est tout. Allons-y. Mais un des premiers tests à faire, c'est de vérifier si notre adaptateur nous envoie bien. Le voltage, si je regarde en arrière... C'est 12 volts, 3 ampères max, qui est supposé de nous envoyer. 3 ampères, mais là, d'après moi, c'est selon le nombre de caméras qui est branché après ou le nombre de choses qui est branché après. Fait que, y a-tu marqué la polarité aussi? Il l'indique pas. Ça fait des drôles de spark par là. On va vérifier ça. Généralement, à l'extérieur, c'est négatif. Puis l'intérieur, c'est positif. J'ai 12,24 volts. Donc, il fonctionne. Si je la rebranche, tout ce qu'il fait, c'est flasher. Si je regarde mes condensateurs, ça n'a pas l'air d'être endommagé. Même si je débranche le 10-2, il n'y a rien qui se passe. Je pense qu'une des premières choses que je vais faire, ça va être de vérifier que le 10-2 fonctionne bien. Puis pour ça, ce ne sera pas trop dur. On va le débrancher d'ici. Puis on va le brancher avec mon petit kit. Pour brancher les 10-2. Mon ordinateur voit qu'il y a quelque chose, mais il n'est pas capable de lire le disque dur. Mais c'est possible que c'est à cause du système d'exploitation. C'est possible que ça soit à cause de ça. Il faudrait que j'aille le lire sur mon ordinateur en Linux. Donc je vais laisser ça de côté pour l'instant. On va retirer ça de là. Ça, c'est le cœur de la machine au grand complet. Si je regarde en dessous, mon courant rentre de là. Donc, il flash tout le temps. On va vérifier le voltage. Wow! Qu'est-ce qui se passe là? 2-3 volts. Ça n'a aucun sens.
vraiment pas assez de voltage. Oui, attends. C'est bien bizarre, ça. J'ai un problème ici, là. Je pense que c'est l'adaptateur qui fait défaut seulement. Ce que je vais faire, c'est 12 volts, ça. Je vais emmener 12 volts à partir de mon propre power supply. Fait que je vais mettre mon power supply à 12 volts. Puis max, c'est 3 ampères, donc... Si je le branche, on va voir s'il va fonctionner. Marche numéro 1. Donc, ça prend un adaptateur. Je vais voir si je peux trouver ça. C'était vraiment son problème. Fait que... On répare ça. Bon, ben, c'était en plein ça. Moi, je l'ai branché avec mon power supply externe, là. Puis, il est même en mode record, là. Je sais pas pourquoi est-ce que l'alarme est allumée, mais peut-être parce qu'il n'y a rien de branché dessus aussi, là. Mais, de 10, 2 parts, tout, ça prend beaucoup de jus. Fait que, d'après moi, le power supply, il était pas assez fort. Il n'a pas résisté. J'en ai un de 12 volts ici. 3 ampères. Lui, ce qu'il y avait, c'était... Max 3 ampères. Donc, on va l'essayer. On va voir si ça va fonctionner avec celui-là. En plein ça. Fait que, pas de trop grosse réparation. Par contre, ça prenait un bon petit diagnostic. Parce que, il affichait quand même 12 volts quand on le vérifiait. Mais j'ai l'impression que quand on y mettait la charge... Il était plus capable. Le power supply était plus capable de fournir le petit adaptateur. Fait qu'en ce moment, là, les lumières sont éteintes. Il vient de partir en record. Tout est beau. Fait que c'est fait. Merci. Bonne journée.